Comment tu fais pour tromper la tante? Je couche avec l'oncle. On fait un ni oui ni non? Non. Oh non. M'a perdu. Comment tu fais pour tromper la tante? Je bois du bière. T'as pas peur d'être bourré quand tu montes sur scène? Bah, ça dépend du temps d'attente. Ça, c'est pas mon problème. Comment tu fais pour tromper la tante? Moi, je révise mes parties de guitare. Ah ouais? Tu dois pas attendre souvent. Et comment tu fais pour tromper la tante? Je traduis des blagues carambar en allemand. Ah ouais? Mais tu parles allemand? Non, c'est pour ça que ça prend du temps. Et Damien, comment il fait pour tromper la tante? Ah bah Damien, il arrive en retard, comme ça, il attend jamais. C'est clair, il est où là d'ailleurs? Bah, il est en retard. On fait un ni oui ni non? Ouais! Ouais! T'as perdu. Oh. Comment tu fais pour tromper la tante? Ah, je regarde une vidéo YouTube. Mais si t'as pas le temps de la finir? Eh bah, je regarde la suite le lendemain, pour tromper la tante. Tu te rappelles du début? Non, mais je la remets à zéro. Du coup, t'as jamais le temps de la finir, ta vidéo? Peut-être, mais au moins j'attends pas comme un con. Comment tu fais pour tromper la tante? Moi, je ferme les yeux et je m'imagine à l'Olympia. En train de jouer? Non, en train d'attendre. Mais les loges de l'Olympia, elles sont carrément plus classe. Comment tu fais pour tromper la tante? Bah, je me dis qu'on a de la chance par rapport aux usagers de la SNCF. Pourquoi? Parce que nous, on est payés pour attendre. Eux, c'est l'inverse. On fait un ni oui ni non? Ok. Ok. Okay. C'est bon les gars, vous êtes prêts? Oui. Oui. Perdu.